docteur en géographie, cadre de la fonction publique. Tu vas nous raconter quand tu seras député. Qu'est-ce qui te tiendra particulièrement à ce cœur de défendre? Moi, ça fait maintenant plusieurs mois que je suis en campagne, en effet à Bagneux, Malakoff et Montrouge. Et je ressens beaucoup de gâchis, de déception et de colère face au quinquennat qui est en train de se terminer. Beaucoup de déception et de colère que j'ai entendu dans les ateliers législatifs qu'on a organisés et qu'on va continuer à organiser pour construire avec les habitants de la circonscription un programme. Et donc moi, ce que je porterai, si les électeurs me font confiance pour être leur député, c'est de continuer à apporter ce qu'ils auront construit avec moi comme programme. Je crois qu'aujourd'hui, Pierre-Laurent l'a très bien dit, les électeurs veulent passer du sentiment d'impuissance provoqué par ce quinquennat à une dynamique d'espoir. Ils ont des idées pour que ça change, ils ont des revendications, ils ont des besoins. Et dans ce que j'ai entendu dans les ateliers législatifs, ils m'ont aussi dit la manière dont ils veulent que j'exerce mon mandat de député, proche d'eux, construisant avec eux de nouvelles formes de relations, en réunion, mais aussi en utilisant les outils numériques, faire du va-et-vient dans tous les sens pour que la députée que je propose d'être fasse descendre l'information sur ce qui se passe dans cet hémicycle qui doit représenter le peuple, mais fasse remonter aussi et se nourrisse de ce que les citoyennes et les citoyens veulent porter. Voilà ce qui me tiendra particulièrement à cœur. Merci.